Tu veux pas raconter la blague de... T'avais une blague, t'avais un toto à raconter. Je suis Hugo Becker, comédien principal. Je m'appelle Julius Berg, je suis réalisateur de Osmosis. Je suis Agathe Bonitzer, je suis comédienne principale. Osmosis, c'est une série sur une entreprise. Osmosis, c'est le nom d'une entreprise qui a créé une technologie qui permet de rencontrer son âme sœur et d'atteindre un équilibre émotionnel parfait. Le rapport entre l'amour et la science. Comment on parle d'une génération qui n'a jamais été aussi connectée, en même temps qui s'est peut-être jamais sentie aussi isolée. Cette recherche aujourd'hui d'intensité dans une relation amoureuse et sans vouloir être dépendant de contraintes de matériel, de changer les couches, descendre les poubelles, etc. Là, il parle d'un sujet très personnel. Esther Vanov, c'est quelqu'un d'assez solitaire, de sauvage, de très déterminé en même temps, et un peu borderline aussi, en fait. Et ben, Paul Vanov, c'est quelqu'un qui se prépare pour tout. C'est un personnage qui est assez visionnaire. C'était assez spontané parce qu'on n'avait pas, au début du tournage, on ne savait pas ce qui allait se passer à la fin. Les choses étaient quand même écrites au fur et à mesure. Et donc ça, c'était... On entrait dans la peau de quelqu'un et en même temps, on ne savait pas vraiment ce qui allait lui arriver. Et j'ai trouvé ça assez excitant. Je viens presque comme un super technicien, soyons honnêtes, mais pour poser une bible, une direction artistique... et une écriture, des personnages. Ça permet aussi une évolution de la série, des personnages, et pas d'évolution de ce qu'on fait nous, mais la série elle-même, l'univers et la façon de filmer, elle participe de l'évolution de la série. Oui, puis l'homogénéité de la série était quand même garantie par la direction artistique, et notamment le chef opérateur. Et les acteurs aussi, parce que si on changeait les acteurs entre chaque épisode... Certes. Ce que je trouve séduisant, c'est la capacité à s'adonner à une addiction, en fait, une forme d'addiction, de rendez-vous comme ça, très régulier, et de se laisser porter par des intrigues sans cesse renouvelées. Et... Suivre un personnage et il devient presque un ami ou quelqu'un de son entourage, quoi. On devient un peu accro à une personnalité qui, souvent en plus, est très complexe dans les séries. Friends reste un indémodable pour moi et aussi la première série à laquelle j'ai été accro très jeune. En ce moment, j'aime beaucoup Westworld. Là, je viens de terminer Afterlife de Ricky Gervais. Je trouve que c'est une série ultra rafraîchissante. Après, la série pour moi ultime, ça reste Breaking Bad. Moi, j'aimerais bien revenir plus longtemps. C'est classe, c'est prestigieux, en même temps, c'est grand public. C'est moderne et c'est inventif, ça se renouvelle chaque année, ça grandit en plus. Bah oui, très généreux.